Bonjour, tous les conseillers, conseillères. Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour, Monsieur le Directeur. Bonjour à tous les gens qui sont dans la salle et bonjour à tous les gens qui nous écoutent en virtuel. Séance ordinaire du Conseil municipal le 4 juin 2024, ordre du jour. Administration générale. 1.1. Adoption de l'ordre du jour. 1.2. Procès-verbaux. 1.2.1. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2024 et de la séance extraordinaire tenue le 15 mai 2024. 1.2.2. Dépôt, procès-verbal de la correction du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mai 2024. 1.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le règlement numéro 401-2009 sur la prévention des incendies afin de désigner les personnes autorisées à appliquer le règlement. 1.4. Approbation des comptes. 1.5. Direction générale. 1.5.1. Mandat à la FQM pour la recherche d'un directeur ou bien d'une directrice générale intérimaire. 1.5.2. Formation d'un comité de sélection pour le poste permanent. 1.6. Renouvellement de l'abonnement à Québec municipal. 1.7. Demande de messieurs Benoît Poulin et Marc-Antoine Deroy, Drapeau et Tartan Gaspésien. 1.7.1. Demande de reconnaissance du drapeau et du tartan gaspésien comme étant les symboles identitaires officiel de la Gaspésie et d'appui dans les démarches pour faire reconnaître officiellement le drapeau gaspésien par le gouvernement du Québec. 1.7.2. Activité de promotion dans le cadre de la journée de la Gaspésie, le 6 juin 2024, demande d'utilisation de l'espace culturel Suzanne Guitté pour un point de presse et une prestation musicale. Prêt d'équipement audio et aide à la publicité de l'événement. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir la porte parce qu'il fait chaud? Ouvrir des fenêtres. Es-tu ouvert? Deux procédures. 2.1. Procédure d'appel. Cour d'appel du Québec. Jugement de la Cour supérieure du Québec. Comité citoyen commerçant de Percé. Poussière d'étoiles, asinerie et savonnerie incorporée, boutique La Mer, boutique et motel Le Macareux incorporée et restaurant Le Surcouf Café, 9146-9908 Québec Inc., civil de Percé. Demande en nullité de règlement numéro 575-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. Dossier numéro 110-17-00132-225. 3. Sécurité publique. 3.1. Le groupe Omega, division construction incorporée, fourniture et installation de deux génératrices, décompte progressif. 4. Voirie municipale. 4.1. Ministère des Transports et de la mobilité durable. Aide financière 2023 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes ERL, reddition de compte. 4.2. Demande de la Société du chemin de fer de la Gaspésie. Utilisation d'une partie de la rue de la plage pour la remise en état du muret en bois le long de la rue et le remblayage du secteur entre la voie ferrée et le muret. 4.3. Fissures Gaspésie incorporées. Soumission, colmatage de fissures d'asphalte. 4.4. Pelle hydraulique du chenille à rayon court Link Belt 2019. 4.4.1. Remplacement du moteur. 4.4.2. Location d'une pelle de remplacement. Aménagement, urbanisme et développement. 5.1. Formation d'un comité de travail, rencontre avec le Géoparc de Percé, coop de solidarité concernant l'entente de gestion de la propriété municipale située au 180 route 132 ouest et autres dossiers concernant le Géoparc.
5.2. Demande de l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski. Autorisation d'installer une antenne Motus sur le bloc sanitaire situé sur la rue de la plage à Coin-du-Banc pour la détection d'oiseaux équipés d'un émetteur dans un rayon de plusieurs kilomètres. 6. Tourisme. 6.1. Bureau d'accueil touristique. Contrat d'entretien ménager pour la saison estivale 2024. 6.2. Exploitation d'un casse-croûte dans le bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien. 7. Loisirs et culture. 7.1. Poste contractuel de coordonnatrice logistique à l'espace culturel Suzanne Guitté. 7.2. Demande d'aide financière. 7.2.1. Association du Festival de Malbaie, édition du 24 au 28 juillet 2024. 7.2.2. OTJ de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, saison de Balmol mineure 2024. 7.2.3. Produire la santé ensemble, achat et livraison de compost pour les jardins communautaires de Barachois et Saint-Georges-de-Malbaie. 7.3. Club de soccer du Rocher Percé. Demande pour la prise en charge de la tonte du gazon sur les terrains de soccer à Cap d'Espoir et l'achat de la peinture pour le lignage sur les terrains. 7.4. Offre de service professionnel de M. Mathieu Fleury, architecte. Réalisation d'un carnet de santé du Centre communautaire de Percé. Est-ce qu'il y a quelque chose aux affaires nouvelles, Mme Vibal? Oui, il y aurait la programmation à la taxe sur l'essence et contribution du Québec 2019-2023 qui serait à moitié, donc une version numéro 4 de la programmation. Merci. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Merci, M. Cloutier. Okay. 1.2.1. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2024 et de la séance extraordinaire tenue le 15 mai 2024. Il est proposé que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mai 2024 et de la séance extraordinaire tenue le 15 mai 2024 soient ils sont approuvés tels que rédigés par la greffière. Vous les avez reçus? Oui. Est-ce que tout était correct? Oui. OK. C'est proposé par? Je propose. Merci, Mme Aucœur. 1.2.2. Dépôt procès-verbal de la correction du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mai 2024. Cette correction a été faite en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes qui autorise le greffier à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte de conseil, du comité exécutif ou d'un conseil d'arrondissement pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la prise de décision. La correction porte sur la résolution numéro 159-2024 concernant la nomination de fonctionnaires désignés aux fins de l'application des dispositions des règlements d'urbanisme de la ville de Percé énumérés à l'article 11 du règlement sur les permis et certificats numéro 437-2011. Enfin, il s'agissait d'une erreur de nom. Le nom qui apparaît dans les documents qu'on avait pour désigner les personnes était différent de ce qui avait été mis dans le procès-verbal. Donc, c'est à la lumière des documents qui existaient pour la prise de décision. Est-ce qu'on a besoin de proposants? C'est un dépôt. Okay, merci. 1.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le règlement numéro 401-2009 sur la prévention des incendies afin de désigner les personnes autorisées à appliquer le règlement.
C'est un avis de motion à l'effet qu'un règlement modifiant le règlement numéro 401-2009 là, sur la prévention des incendies de désigner les personnes autorisées, c'est que je me répète. Là. C'est qui donne un avis de motion? Donne avis de motion. Merci, M. Routier. Un projet de règlement portant le numéro 631-2024 est déposé. Approbation des comptes. Est-ce que vous les avez reçus? Oui. Est-ce que le tout était conforme? Oui. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er au 30 mai 2024 au montant de 625 564,60 et la liste des comptes à payer au 30 mai 2024 au montant de 288 899,15 sous, à laquelle s'ajoute la facture du fournisseur 1 LAGR 70 au montant de 1620, retenu pour vérification à l'approbation des comptes lors de la séance ordinaire du 7 mai 2024. Est-ce que je... Merci, M. Reil. 1.5.1. Mandat à la Fédération québécoise des municipalités recherche pour intérim à la direction générale. Considérant que la Ville est présentement en processus de recrutement pour pouvoir pourvoir le poste de directeur ou directrice générale qui sera vacant à compter du 21 juin prochain. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités, FQM, offre aux municipalités un service d'accompagnement en ressources humaines et relations de travail, notamment la recherche de candidats pour assurer des mandats de directeur général et greffier trésorier de diverses municipalités et ou MRC dans le cadre de remplacement temporaire. Considérant que les honoraires pour réaliser un tel mandat s'établissent comme suit. Frais d'embauche temporaire du candidat soumis, 1 200. Frais additionnels dans le cas de l'embauche permanente du candidat référé, 1 500. Frais lorsqu'aucune embauche n'intervient, paiement des heures réellement consacrées au mandat, notamment les frais d'ouverture de dossier, de recherche et de sollicitation auprès des candidats, et ce au taux horaire de 135 $, sans excéder les coûts des options précitées. Considérant que la Ville de Percé est membre de la FQM, considérant que la Ville souhaite avoir recours au service de la FQM pour trouver une personne pouvant assurer l'intérim à sa direction générale, en conséquence, il est proposé d'entériner le mandat accordé à la FQM pour trouver une personne pouvant assurer l'intérim à sa direction générale conformément à son offre de service du 30 mai 2024. D'autoriser la mairesse Mme Cathy Poirier à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner suite à la résolution. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, M. Collard? Non. Non? OK. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair comme c'est assez bien formulé. Oui. Je pense que vous aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Merci. Mme Cahill. 1.5.2. Formation de comité de sélection pour le poste permanent. Il est proposé que les personnes suivantes soient désignées comme membres du comité de sélection dans le cadre de la procédure de recrutement au poste de directeur-directrice générale. Mme Cathy Poirier-Mairesse, Mme Alison Cahill-Vubert, conseillère municipale, M. Michel Reil, conseiller municipal, Mme Caroline Desgarry, trésorière. Merci, M. Coutier. Renouvellement de l'abonnement à Québec municipal. Il est proposé de renouveler l'abonnement de la Ville de Percé au portail d'affaires municipales et d'information Québec municipal pour l'année 2024-2025 au coût de 580 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Moncœur. Je m'excuse si je prends mon temps, je ne t'ai pas préparé. D'accord.
1.7. Demande de M. Benoît Poulain et Marc-Antoine de Roy, drapeau et tartan gaspésien. Demande de reconnaissance du drapeau et du tartan gaspésien comme étant les symboles identitaires officiels de la Gaspésie, d'appui dans les démarches pour faire reconnaître officiellement le drapeau gaspésien par le gouvernement du Québec. Considérant que le drapeau de la Gaspésie a été co-créé en 2001 par l'historien Marc-Antoine de Roy de Saint-Pandémont, considérant que ce drapeau, durant les dernières décennies, a gagné en popularité et notoriété, considérant que le drapeau conçu par M. de Roy est celui reconnu par la population et par les moteurs de recherche sur Internet comme étant celui de la Gaspésie, considérant que le tartan de la Gaspésie enregistré par le Register of Tartans en Écosse le 30 novembre 2021 est fortement inspiré du drapeau gaspésien, autant au niveau des couleurs que des symboliques. Considérant que des symboles identitaires forts, clairement identifiés et reconnus officiellement, sont des atouts majeurs pour la promotion de la Gaspésie et pour entretenir le lien d'appartenance et de fierté des Gaspésiens envers le territoire. Considérant que ce drapeau a été mis de l'avant lors de plusieurs événements et par des personnalités politiques, considérant qu'il est nécessaire que le drapeau de la Gaspésie soit reconnu officiellement par le gouvernement du Québec afin d'assurer son statut et qu'il ne puisse être contesté, considérant qu'il est bénéfique pour les différentes sphères d'activité de notre territoire politique, social, touristique, culturel, etc., d'avoir accès à des symboles identitaires gaspésiens stables et reconnus. En conséquence, il est proposé que la ville de Percé reconnaisse le drapeau et le tartan gaspésien comme étant des symboles identitaires officiels de la Gaspésie. Appui de M. Marc-Antoine de Roy et M. Benoît Poulain dans leur démarche pour faire reconnaître officiellement le drapeau gaspésien par le gouvernement du Québec. C'est bon? Merci, M. Ray. Activité de promotion dans le cadre de la journée de la Gaspésie le 6 juin 2024. Demande d'utilisation de l'espace culturel Suzanne Guitté pour un point de presse et prestations musicales près d'équipements audio et aide à la publicité de l'événement. Il est proposé d'autoriser M. Benoît Poulain et Marc-Antoine de Roy à utiliser l'espace culturel pour une activité de promotion des drapeaux et tartans gaspésiens organisée dans le cadre de la Journée de la Gaspésie le 6 juin prochain, de le fournir l'équipement audio, micro et haut-parleur requis pour le point de presse et diffuser la publicité de l'événement sur le site Internet ou sur la page Facebook de la ville. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, Mme Aucard. Procédure d'appel. Cour d'appel du Québec. Jugement de la Cour supérieure du Québec. Comité citoyen commerçant de Percé. Poussière d'étoiles. Asinerie et savonnerie incorporée. Boutique Clamère. Boutique et motel Le Macareux incorporée. Et restaurant Le Surcouf Café 9146-9908 Québec Inc. Civil de Percé demande en nullité du règlement numéro 575-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. Dossier numéro 110-17-00132-225. Je propose de mettre fin aux procédures judiciaires entourant la redevance. Êtes-vous d'accord avec ça ou vous voulez passer un vote? Bien sûr, vote. On va commencer, Mme Elissette.
Madame Cahill? Je vote pour continuer les procédures, étant donné où on est rendu. Vous votez contre? Je vote pour continuer les procédures, donc contre la proposition. Moi, à la base, je voulais pas en appel. On a suivi le reste au sein municipal. On n'entend rien. À la base, j'étais contre d'aller en appel. On a suivi le reste du conseil municipal qu'eux, ils étaient pour y aller. Pour être honnête, je trouve ça vraiment triste comme situation. Des mois plus tard, qu'on est rendu, les conflits que ça a créé, les dépenses que ça a créé autant des deux côtés, que ce soit la ville, que ce soit les commerçants, puis indirectement, bien, c'est tous les citoyens de Percé qui ont payé pour tout ça. Eux, certaines personnes avec des plus grandes factures que d'autres. Fait qu'en ce moment, j'ai réfléchi beaucoup à ça, mais tu sais, oui, effectivement, ma décision de pas aller en appel n'a malheureusement pas changé, même vu toute la situation, même si on est rendu à la fin, il reste une seule unique étape. Je trouve ça vraiment aberrant qu'on est rendu là aujourd'hui, qu'il reste une seule étape, et que c'est aujourd'hui que ça change. C'est pour la proposition ou contre la proposition de M. Levé? Là, je suis... Si tu veux qu'il continue en appel, tu vas arrêter? Je vais arrêter l'appel. Arrêter? Donc, pour la proposition de M. Rail. M. Rail, c'est à vous? Oui, c'est justement, moi je suis pour arrêter la procédure judiciaire pour l'arrêt d'avance. Je sais qu'on a besoin d'un arrêt d'avance, mais dans la situation qui a été créée envers les commerçants, aucune négociation, froid à la mairesse. On a essayé de faire des tables de travail pour rencontrer les commerçants. On s'est buté, vous le savez, souvent que moi. C'est pour ça que ce soir, je veux mettre fin à ça, négocier avec les commerçants, ils sont de bonne foi. On va en venir à une entente pour avoir une arrêt d'avance. Merci. Moi, je suis pour l'arrêt des procédures. Moi aussi, je suis pour l'arrêt des procédures. Moi aussi, je suis pour l'arrêt des procédures. La proposition de M. Rail est adoptée à l'unanimité, 4 appuis et un contre. La majorité, excusez-moi, oui, majorité. Est-ce que les gens, les membres du conseil veulent qu'on note leur opposition ou leur appui à la proposition dans la résolution, dans le procès-verbal, donc qu'on dit qui est pour et qui est contre, est-ce que vous souhaitez ça? Oui. Parce que c'est pas, ça va pas de soi, faut que vous me le demandiez. C'est beau? Je peux passer à l'autre point, Mme Hubert? Oui. On demandait une précision sur le vote. Non, on ne peut pas, c'est si à la fin. Si vous m'autorisez, Mme la Présidente. Non, on peut pas. Non, oui, on dit que non. Ça va être plus tard, M. Préchat, s'il vous plaît. Merci. Merci. 3.1. Le groupe Omega, Division Construction Incorporée, fourniture et installation de deux génératrices des comptes progressifs. Il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 1 au montant de 87 470,42 taxes incluses du groupe Omega Division Construction Incorporée dans le cadre du contrat de fourniture et d'installation de deux génératrices et d'en autoriser le paiement. J'ai un proposant. Merci, M. Cloutier. Non.
4.1. Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Aide financière 2023 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes, ERL, reddition de compte. Attendu que le ministère des Transports a versé à la Ville une compensation de 357 302 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année 2023. Attendu que les compensations distribuées à la Ville visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Ville. Pour ces motifs, il est proposé que la Ville de Percé informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale. Est-ce que j'ai un proposant? Merci, M. Rey. Demande à la Société du chemin de fer de la Gaspésie utilisation d'une partie de la rue de la plage pour la remise en état du muret en bois le long de la rue et le remblayage du secteur entre la voie ferrée et le muret. Considérant que dans le cadre du projet de réhabilitation du chemin de fer, la Société du chemin de fer de la Gaspésie souhaite réaliser en 2024 des travaux pour la remise en état du muret, en bois longeant une partie de la rue de la plage à coin du banc et le remblayage du secteur entre la voie ferrée et le muret. Considérant que la société souhaite utiliser la partie de la rue de la plage qui passe devant le bloc sanitaire pour le passage de la machinerie et du matériel nécessaire à la réalisation des travaux, considérant que la société s'engage à faire un nettoyage et le remplissage des trous qui se sont créés dans le chemin afin d'y circuler sécuritairement et à la fin des travaux, laisser le remblai en place afin que le chemin puisse être utilisé. Considérant que la société s'engage également à laisser un accès à la plage aux endroits à déterminer en collaboration avec la Ville. Considérant que la société s'engage lors de la réalisation des travaux à ne pas entraver l'accès au bloc sanitaire au stationnement public situé à proximité. Considérant que la réalisation des travaux d'une durée approximative d'un mois à un mois et demi se fera en dehors de la forte période d'achalandage touristique, soit au mois de septembre 2024. En conséquence, il est proposé que la Ville de Percé autorise la Société du chemin de fer de la Gaspésie à utiliser la partie de la rue de la plage requise pour permettre la réalisation des travaux prévus sur le muret de bois. Est-ce que j'ai un proposant? Une proposante? Je propose. Merci, madame. Aussi. Ça souffle. Oui, ça. Je vais pouvoir continuer maintenant. 4.3. Fissure Gaspésie incorporée. Soumission. Colmatage de fissures d'asphalte. Merci. Il est proposé d'accepter la soumission de fissures Gaspésie incorporée au montant de 22 500 $ plus taxes pour le colmatage de fissures d'asphalte
sur diverses routes municipales. Monsieur Coderre? Oui, bien, il est important de préciser que c'est un maximum de 22 500. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va aller là-bas. Et au niveau du scellant d'Altifat, bien, comme vous le savez, là, c'est pour les fissures là, d'une certaine largeur. Donc, pour certaines routes, bien, ça évite que si on, par exemple, si on ne les entretient pas, bien, d'année en année, bien, vous allez voir les routes, vous allez voir les fissures grandir. Ça coûte, ça coûte deux fois plus cher. Puis, il y a un autre problème, c'est qu'on est obligé de mettre de l'asphalte chaud, ce qui coûte encore beaucoup plus cher. Donc, c'est une mesure préventive. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Coderre. Je le propose. Merci, M. Ray. 4.4. Pelle hydraulique sur chenille à rayon Core Link Pelle 2019. 4.4.1. Remplacement du moteur. Il est proposé d'accepter la soumission de Paul Équipement Hanson 2008, datée du 3 juin 2024, au montant de 44 939,65 plus taxes, relativement à la fourniture d'un moteur LBX145X4 pour la pelle hydraulique Lingbelt 2019. Monsieur Coderre? Oui, mais malheureusement, on a eu un incident avec la pelle mécanique. Il est arrivé quelque chose d'assez rare. Là, le terme anglais, là, je peux pas dire, mais ça l'a amené, même si la pelle est pas vieille, elle n'est pas non plus vieille en termes d'heures, il y a eu une défaillance qui a fait carrément sauter un piston dans le moteur. Évidemment, il y a eu des questions qui ont été posées. C'est pas de la négligence, bien au contraire, parce que comme je vous dis, c'est une pelle de 2000 heures. Les changements d'huile, il y a eu 5 changements d'huile qui ont été faits. Donc, en bas de la norme demandée, les filtres ont toujours été les filtres utilisés par recommandés par le fournisseur. Il y a même eu 3 changements d'huile qui ont été faits par le concessionnaire, puis de maintenance aussi. Donc, c'est vraiment là, quelque chose de rare qui est arrivé. Le problème qu'on a au niveau de la garantie, c'est que si on est en bas du nombre d'heures, mais en termes de nombre d'années, on a passé le cap. Donc, c'est ce qui explique ce qui explique le bris, là. Disons que je ne suis pas assez spécialiste là, en mécanique pour vous dire exactement là, la pièce qui était défaillante, qui a tout entraîné un effet. On parlait d'une des connecting rods, des pistons, okay. Supposément débarrés, et il est venu virer fondé, personne. Okay. En français, on dit une bière. Okay. Je viens d'apprendre moi également. Ça peut vous aider. Salut, pour. On va approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté activité d'investissement. Merci, M. Coderre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Cahill. Merci, Mme. Aussi. Je suis sûre, tu me rends. 4.4.2. Location d'une pelle de remplacement. Considérant le bris mécanique sur la pelle hydraulique de la ville, il est proposé d'entériner la signature d'un contrat avec Brand Tractors Limited relativement à la fourniture d'une pelle hydraulique John Deere 135G 2022 pour la période du 28 mai au 28 août 2024 pour un coût de 8 500 $ par mois plus taxes. Le troisième mois étant gratuit, et une utilisation maximale de 176 heures par mois, toute heure supplémentaire étant au coût de 48,29 $, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté activité de fonctionnement. C'est 176 heures par mois, non pour... C'est 176 heures par mois. Donc, je pense un total de 500. Est-ce que quelque chose à dire, M. Bon, pas spécialement, en sens qu'il nous faut une pelle pour travailler. Puis je pense que c'est aussi le temps qu'on ait le moteur, que la réparation se fasse, bien d'avoir, on a 2 mois, puis on a un mois aussi, on a un mois tampon également, donc on prévient, dans le fond, tout arrêt de travaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même en début juin. C'est une saison qui est, on est vraiment dans le début de la saison où ça travaille fort avec la pelle. Si on avait été l'hiver, ça aurait été une autre chose, mais là, disons que la nécessité imposait ça, nous. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose.
Merci, M. Ray. Aménagement, urbanisme et développement. 5.1. Formation d'un comité de travail, rencontre avec les gens au parc de Percé, coop de solidarité concernant l'entente de gestion de la propriété municipale située au 180 route 132 ouest et autres dossiers concernant le géoparc. Il est proposé de désigner les personnes suivantes pour faire partie d'un comité de travail de la ville ayant comme mandat de rencontrer les représentants du géoparc de Percé, coop de solidarité au sujet de l'entente de gestion de la propriété municipale située au 180 route 132 ouest et autres dossiers concernant le géoparc et de faire rapport au conseil municipal. Madame Alison Cahill Vibert, conseillère municipale. Madame Chana Roussy, conseillère municipale. Et Madame Caroline Descarry, trésorière. Merci, Monsieur Coutier. 5.2. Demande de l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski, autorisation d'installer une antenne Motus sur le bloc sanitaire situé sur la rue de la plage à Coin-du-Banc pour la détection d'oiseaux équipés d'un émetteur dans un rayon de plusieurs kilomètres. Il est proposé que la Ville de Percé autorise l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski à installer une antenne Motus sur le bloc sanitaire situé sur la rue de la plage à Coin-du-Banc pour la détection d'oiseaux équipés d'un émetteur dans un rayon de plusieurs kilomètres et à se connecter gratuitement à l'alimentation électrique du bâtiment au réseau Wi-Fi de la ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Ray. Tourisme. 6.1. Bureau d'accueil touristique. Contrat d'entretien ménager pour la saison estivale 2024. Considérant que lors de la séance extraordinaire du 15 mai 2024, le Conseil renouvelait pour la saison estivale 2024 le contrat de M. Luc Langlois relativement à l'entretien ménager du bureau d'accueil touristique aux mêmes conditions qu'en 2023 pour un montant de 1 100 $ par mois. Considérant que la durée prévue du contrat était de 5 mois, soit de juin à octobre inclusivement. Considérant que le grand ménage au début de saison devrait être fait avant l'ouverture du bureau, en conséquence, il est proposé d'ajouter au contrat un montant de 550 $ pour le travail effectué au mois de mai. Il a fait le grand ménage, si je ne me trompe pas, avant l'ouverture du bureau. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Moncal. 6.2. Exploitation d'un casse-croûte à l'intérieur du bâtiment de service de la halte routière ici de la tête d'Indien. Il est proposé d'autoriser Mme Tia Kaouhil à exploiter un casse-croûte à l'intérieur du local aménagé à cette fin dans le bâtiment de service de la halte routière du site de la tête d'Indien suivant les conditions suivantes. Excusez-moi. Effectuer à titre gratuit l'entretien du bloc sanitaire, payer à la ville un montant de 600 $ pour les services électricité, que cette autorisation soit pour la saison estivale 2024 avec possibilité de renouvellement, que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la ville le contrat à intervenir entre les parties. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Cahill. Poste contractuel de coordonnateur-coordonnatrice logistique à l'espace culturel Suzanne Bitté. Suite à l'affichage pour pourvoir un poste contractuel de coordonnateur-coordonnatrice logistique à l'espace culturel Suzanne Bitté au cours de la saison estivale 2024, il est proposé de procéder à l'engagement de Mme Mélie Anne Paradis pour une période de 9 semaines suivant les conditions négociées.
d'autoriser le directeur général, M. Jean-François Connard, à signer le contrat d'engagement pour et au nom de la ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Merci, M. Rey. Demande d'aide financière. 7.2.1. Association du Festival de Malbaie, édition du 24 au 28 juillet 2024. Il est proposé d'accorder une aide financière de 2 000 $ à l'Association du Festival de Malbaie dans le cadre de l'édition 2024 du festival qui se tiendra du 24 au 28 juillet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je propose. Merci, madame aussi. 7.2.2. OTJ de Sainte-Thérèse, saison de Balmol mineur 2024. Il est proposé d'accorder une aide financière de 240 $ à l'OTJ de Sainte-Thérèse et Gaspé pour la saison de Balmol mineur 2024, correspondant à un montant de 40 $ par participant provenant du territoire de la ville de Percé. On a 6 participants du territoire qui donnent 240 $. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Aucard. 7.2.3. Produire la santé ensemble. Achat et livraison de compost pour les jardins communautaires de Barachois et Saint-Georges de Malbaie. Il est proposé d'accepter la demande de produire la santé ensemble relativement à la fourniture et le transport compost pour les jardins communautaires de Barachois et Saint-Georges, équivalent à un montant d'aide de 541 $ et 11 sous. On fait ça chaque année. On livre ça chaque année à Saint-Georges. Oui, c'est fait régulièrement, oui. Merci, M. Coutier. 7.3. Club de soccer du Rocher Percé. Demande pour la prise en charge de la tombe du gazon sur les terrains de soccer à Cap d'Espoir et l'achat de la peinture pour le lignage sur les terrains. Suite à la demande du club de soccer du Rocher Percé, il a proposé que la ville prenne en charge la tombe de gazon de terrain de soccer située sur la propriété du centre communautaire de Cap d'Espoir au cours de la saison estivale 2024 et à cet effet accepte la soumission de pelouse Langlois au montant de 2 450 $ plus taxes à raison de 2 tombes par semaine. Que la ville accorde également au dit club une aide financière de 1 851 $ correspondant au coût d'achat de la peinture pour le lignage sur les terrains. Je propose. Merci, Mme Cahill. 7.4. Offre de services professionnels de M. Mathieu Fleury, architecte, réalisation d'un carnet de santé du Centre communautaire de Percé. C'est oui. Oui. Il est proposé d'accepter l'offre de services professionnels en architecture de M. Mathieu Fleury, architecte, daté du 31 mai 2024, relativement à la réalisation d'un carnet de santé du centre communautaire de Percé situé au 43 rue de l'Église, et ce, pour un montant de 9 500 $ plus taxes. Excusez-moi, on avait dit qu'on l'acceptait si c'était éligible aux subventions. Mais là, on n'est pas certain, on n'a pas eu la réponse encore. Madame Vivant, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris la question. Dans le fond, vous êtes sûr que c'est nécessaire de faire le carnet de santé pour avoir nos subventions? Oui, il y a des programmes qui l'exigent, oui. OK, puis est-ce qu'il y a un programme pour... Ben, on n'a pas encore choisi de programme, c'est en analyse. Oui. Parce qu'il y a des programmes, il y a des programmes qui se... Par exemple, le Palatine, je n'ai pas par cœur tout l'acronyme, là, mais c'est un programme qui peut fonctionner avec une autre subvention qui peut avoir un cumul. Donc, si on a le carnet de santé, puis ça fonctionne avec une subvention, puis le Palatine, ainsi de suite, donc on met les chances de notre côté. Et aussi, lorsqu'on veut faire des rénovations majeures sur un édifice public, on doit travailler, dans le fond, lorsqu'on touche la structure, et ainsi de suite, on doit travailler avec tout ce qu'il y a, avec les architectes, ingénieurs aussi. Donc, c'est une... Je dirais normal nécessaire, mais en même temps, c'est quelque chose aussi qui protège la ville, parce que
au niveau de l'Oasis, ceux qui fréquentent l'Oasis, vous savez très bien que c'est un édifice qui commence à démontrer des signes de fatigue. Et si on ne veut pas le perdre, je pense qu'il faut agir. Et il y a une autre chose aussi, vous avez eu la nouvelle de DEC Canada au niveau des génératrices. C'est aussi notre centre d'urgence à Percy, s'il y a des quoi que ce soit, s'il y a une catastrophe météorologique, c'est notre centre. Donc, on doit s'assurer que, dans le fond, qu'il soit solide. Donc, c'est un peu pour ça, la première étape, c'est de passer au cabinet de santé. Mais on était d'accord, c'était juste pour être sûr que le lit était exigible tout de suite. C'est bon? D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par le virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte d'excédent de fonctionnement affecté, activité de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposant? Je ne suis pas pour. Merci, Mme Cahill. Nous sommes rendus aux affaires nouvelles, le point et le 8.1, qui est taxe sur l'essence et contributions du Québec 2019-2023. Je lis au complet, Mme. À moins que vous voulez que M. Coderre donne les détails de la modification faite à la programmation. Voulez-vous que je lise ou pas vous de ça va être guise, mais là, je peux le donner, pas de problème. Ça peut vous faire ça. Dans le fond, vous avez vu avec le retrait du projet de Rue Piémont, il y avait ça se dégageait des fonds au niveau de la TEC, la fameuse taxe sur l'essence et la contribution du Québec. C'est une somme de 652 000. Et pour procéder au niveau de la TEC avec la programmation qui a été faite jusqu'à 2023, eh bien, il y a des priorités qui ont été établies par la Ville. Et la priorité où on est rendu, c'est la rue du Mont-Joli. Donc, ce qui est proposé ce soir, si adopté par le Conseil, c'est d'affecter ces crédits-là à la rue du Mont-Joli pour refaire la rue et les canalisations souterraines, jusqu'à concurrence du montant de la TEC. Donc, il va y avoir un scénario là-dessus, puis un scénario s'il y a une deuxième phase qui est plus longue, mais ce qui est important de savoir, c'est au niveau du montant de la TEC. Qu'il faut dépenser avant le 31 décembre 2024. Oui, donc c'est une course contre la montre. C'est bon. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un seul de proposant? Oui. Qui propose? Oui. Je propose. Merci, Mme Ricard. Avant de passer à la période de questions, on a le remplissage de piscines résidentielles et spa. Les remplissages vont se faire le 7, 8 et 9 juin 2024 entre 9h et 18h au coût de 300$ plus taxes. Et il faut prendre rendez-vous. Et je pense que vous pouvez appeler au 418, ici, au 418-782-2933. Au poste 2001-2001. Ouais. C'est bon? Okay. On tient à remercier M. Coderre qui est avec nous pour sa dernière assemblée avec nous. Ça fait qu'on vous remercie pour votre travail, M. Coderre. Merci d'avoir fait du beau travail, M. Coderre. Maintenant, on peut passer à la période de questions. Bonsoir, Jean-Claude Méthode. Premièrement, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont su voter et qui ont compris qu'il fallait arrêter l'histoire de la redevance. Et surtout, n'allez pas croire que ça a été de l'argent qui a été gaspillé de la part des commerçants, mais de la part d'une mairesse qu'on avait qui ne voulait jamais nous écouter. Ça, c'est pas de notre faute, mais nous autres, on est rendus au point de vous féliciter et de vous remercier.
Je voudrais aussi féliciter tous ceux qui ont travaillé sur le bâtiment de la rue du Quai, qui est un succès, qui est devenu un très beau bâtiment, et c'est bien moins gênant de se promener sur la promenade et de se promener pas loin de la place du Quai et de la place Suzanne Guittet. Merci, bonsoir. Merci. Bonsoir, Michel Poisson. Bonsoir, les gens à la maison. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur Sainte-Croix. Oh, il n'est pas là, excusez-moi. Non, mais on voit ce soir, les gens, on voit qui est sérieux. Les conseillers sont sérieux. M. Godard est sérieux jusqu'à la fin. Tous les gens qui sont ici, c'est des gens sérieux. Ils sont là pour le bien-être de la ville. Je vous remercie beaucoup. Madame la mairesse n'est pas là ce soir. Y a-t-il une raison pourquoi elle n'est pas là? Je sais, je ne veux pas me mettre en situation, mais si Mme la mairesse ne va pas vivre la tension, le stress ou la situation toxique qu'elle-même elle a produit, ben c'est pas notre problème à nous. Et si Mme la mairesse n'est plus capable de faire son travail en tant que mairesse, on va l'inviter à quitter son poste. OK? Je crois que Mme la mairesse a le droit à combien de semaines de vacances, mais là, elle n'était pas ici. Mais Winnerville était ici, mais elle a quitté de façon tragique et avec un regard très, très intense envers les gens. Bonnemi n'était pas là. Elle n'est pas là aujourd'hui. Fait que je trouve que Mme la mairesse, qui doit nous écouter, probablement, je ne sais pas ce qu'elle est, mais Mme la mairesse, vous êtes plus apte à faire le travail, mais restez chez vous. On n'a pas besoin de vous. On a la preuve qu'on est capable de travailler ensemble avec des gens sérieux. J'aimerais ça parler du 25 mai. Le 25 mai, ça m'a touché. Vous savez, le 25 mai, on a demandé à des bénévoles d'aller ramasser des déchets un peu partout. Et je me suis présenté là avec mes fameux cafés que je voulais emmener à la dernière assemblée, mais ce n'est pas les mêmes cafés, hein, en fin de compte. Les biscuits, c'était les mêmes, mais les beignes, non. Puis, je vais vous dire, je suis allé à Chaleux chez les cafés chauds, et puis la première arrêt que j'ai faite, c'était à Cap de Soir. Et je vais vous dire, j'ai rencontré le plus jeune bénévole de Parcé. Comment il s'appelle? Aida. 4 ans. Il était tellement fier de ramasser. Surtout quand je lui ai offert un beignet. Ça, là, il a mis les yeux très grands, et sa mère a dit, j'aime moins ça. J'ai dit, inquiète-toi pas, j'en mange des beignes, et j'ai toujours mon poids santé. Fait qu'il n'y a pas de danger pour ton garçon. Il peut manger 2-3 beignes. Il en a mangé un, puis je pense qu'il s'en rappelle. Hein? C'est ça. M. Coderre et son épouse étaient là, et je félicite encore M. Coderre, comment il peut être là jusqu'à la fin de son mandat. Félicitations. Écoute, vous étiez là en train de ramasser des papiers à terre. Et je trouve ça triste de voir des gens qui ont 70 ans, 75 ans, qui enjambent le garde-fou pour ramasser des papiers dans des endroits qui peuvent se blesser gravement. Après ça, je suis allé à Lens à Beaufils. J'ai rencontré M. Clussier avec sa conjointe. Et encore des gens qui étaient là, pour la même situation. Ils ont aussi mangé des vins. Puis un peu de café. Après ça, je suis allé à Percé même, mais j'ai même encore été là. Mais je ne l'ai pas trouvé, mais en tout cas. Mais j'ai trouvé des gens qui étaient dans la côte, la grande côte, ou l'applique, je ne sais pas comment. Et un monsieur avait 76 ans, même 73. Ils ont ramassé quoi? 4 sacs? Ils ont ramassé 8 sacs. 8 sacs? Merci beaucoup, oui, puis là, il y a enjambé. En particulier, les autres, ils nous ont ramassé. Oui, puis il y a enjambé par-dessus le garde-fou, qui était extrêmement dangereux. Moi, on n'a pas à faire ça. Il me semble qu'on devrait donner ça des professionnels de faire ça. Tu sais, c'est beau de demander aux bénévoles, mais je ne voudrais pas qu'il arrive un accident. Après ça, je me suis rendu à Barachouère. Madame Riel, il était là. Hein? Point-du-Bas. Point-du-Bas, excusez-moi. Je m'habitue. Et son conjoint était là avec une canne. Tu sais, les gens sont plus vieux. On est tous des vieux à passer la plupart. Moi, je suis un jeune. J'ai juste 5-4, moi, là. Un jeune. Puis, les gens étaient là. Puis là, j'ai retrouvé encore M. Coderre qui est arrivé. Parce que on avait un problème d'une toilette qui était vraiment mal propre. Puis M. Coderre est venu la voir. Encore une fois, il s'est déplacé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais la chose qui m'a touché le plus, il y avait une formation de pompiers. Et puis, je suis allé apporter des cafés.
des beignes. J'ai demandé à Éric, le directeur, de ne pas manger de beignes parce que lui, il avait un poids santé limité. Et puis, mais j'ai demandé à Éric, c'est quoi les salaires des pompiers? Les pompiers, quand ils sont en formation, sont à salaire minimum. La plupart des pompiers sont inférieurs à 20$ dans l'heure. Comment peut-on avoir, être une ville qui paye les pompiers ce salaire-là? Moi, j'ai tombé à terre. Les pompiers, c'est pas des gens à temps plein. C'est des gens sur appel, dévoués qui sauvent des vies. Puis, on est inférieur à 20$ en 2024. Je crois pas que Mme la mairesse aimerait avoir un salaire de 18$ de l'heure. On est pompiers volontaires. Je veux que tu compares à d'autres villes. Oui, ben, je suis d'accord, mais les gens qui, en ce moment, qui sont, le salaire, je suis d'accord, on n'a pas le plus haut salaire, mais on fait ça avec passion. Ça, c'est une passion. Écoute, j'ai été pompier volontaire, j'ai mis des policiers dans mon passé, et puis j'en ai sauvé une vie, je me rappelle aujourd'hui, j'en ai sauvé la vie de la personne. Puis j'étais sur le bord de mourir moi-même, et je l'ai fait par passion. OK? Mais c'est, peu importe ce que tu vas me dire, c'est pas acceptable de payer ce salaire. OK? À mes yeux, à moi, là, je pense que les gens qui se déplacent, qui se font déranger à 2h du matin, 3h du matin, à moins 30, sont là pour aider. Oui, non, oui, on a une passion, je sais. Mais quand même, il y a une certaine limite. Monsieur Poisson. Je pense que oui. Avez-vous une question? Oui, la question. Quand est-ce qu'on va... Ah, il y a d'autres mondes. Oui, mais il y a pas... Quand est-ce qu'on va regarder le salaire des pompiers? Ça serait peut-être un projet à voir. Madame Gémeau. Madame Gémeau? C'est le conseiller. Oui. Tu peux nous dire? Ben, il y a une échelle salariale aussi. Là. Exemple, une personne qui rentre avec pas de formation va être payée beaucoup moins que, mettons, un capitaine de caserne. Oui. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a une échelle salariale. Fait que c'est sûr que. Ça va aussi au niveau de la formation. Fait que ceux qui ont fait, par exemple, la formation qui est 1, eux, ils vont avoir un plus haut salaire. Les salaires, je les connais pas par cœur. Non, non. Mais dépendant du rôle aussi de la personne, le salaire peut être plus élevé. Là, un officier gagne plus de 25$ de l'heure, je ne me trompe pas. C'est sûr qu'on n'a pas 18 officiers parce qu'on a juste 3 casernes dans la ville de Percé, mais ouais. C'est les gens qui apportent. On s'embarque dans cette aventure-là, c'est pas... Mais qui détermine, tu me dis, il y a un barème à suivre, c'est-tu la ville qui l'a établi? Ou il y avait un barème, puis ça a été augmenté il y a 2 ans, ou à peu près déjà aussi. 2 ans, OK. Moi, je vais juste t'expliquer que ce McDonald's, pas payé plus cher. Puis, peu importe ce que tu vas me dire, c'est correct, je respecte ce que tu me dis, t'es pompière, je respecte ça, mais encore une fois, je trouve que les gens méritent plus que ça. Okay, à mes yeux, à moi, je trouve que... Puis, avant de terminer, on parlait de l'appel mécanique. J'ai fait un tour à la voirie, ça va être mon prochain sujet de conversation, à l'autre assemblée, mais je ne serai pas là au mois de juillet, malheureusement. Pas parce que je suis en vacances, à cause de mon travail. Mais je ne comprends pas qu'à l'Assomption, ils ont 27 000 habitants, puis ils n'ont pas une pelle mécanique, puis ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de rues. Puis, comment ça fait qu'on ne peut pas aller en sous-traitance? Puis ça vaut une pelle, si je me souviens bien, j'étais dans l'excavation assez longtemps, ça roule à peu près 140, 125, 140 $ avec l'opérateur, avec l'essence, avec la maintenance. Pourquoi que... Parce que j'ai vu à la voirie des équipements-là comme j'ai jamais vu dans une ville de 3000 habitants. Monsieur Collard, oui. S'il vous plaît. En fait, je vais vous donner plusieurs réponses à ce que vous avez dit, Monsieur Poisson. Oui. Premièrement, merci pour vos bons mots, puis merci pour les mots, pour les bénévoles, pour ceux qui ont travaillé fort dans la corvée du 25 mai. Pour commencer au niveau de la mairesse, évidemment, là, elle a le droit de s'absenter, c'est pas une question de vacances. Question pression, je pense que tous ceux qui ont été pour ou contre, ou ceux qui ont travaillé de près ou qui ont été adversaires de Mme Poirier savent que point de vue tension, c'est une qui a pris de la pression au cours des années. Je pense que c'est bien elle. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus ici. L'autre chose aussi, le salaire des pompiers, ça évidemment, c'est déterminé avec le conseil. C'est des discussions avec les pompiers, avec le conseil. C'est déterminé par la ville. Pelle mécanique maintenant, ce qui fait que... Puis, je pense que ça répond aussi à plusieurs questions sur ce qu'on a ici comme équipement à Percé. Percé, c'est 430 km² de territoire. Hein? Donc, ça appelle
à réagir rapidement, à avoir de l'équipement aussi, parce qu'on est obligé de se déplacer. Vous l'avez fait, vous, avec la tournée là, pour la corvée. Dans le fond, regardez, on est tous deux lanaudois d'origine. Percé a 6 km carrés de plus de terre que la MRC de Joliette au complet. Alors, il y a beaucoup plus. Si vous prenez la MRC de Joliette, vous allez en avoir les peines. Donc, c'est pas le pourquoi qu'on a de l'équipement, c'est la nécessité du territoire. Imaginez, on part de Prével, on s'en va à Cap-d'Espoir. Donc, on doit avoir l'équipement pour réagir, pour être capable d'offrir le service aux citoyens. Fait que c'est vraiment pour ça. Et au niveau, si vous prenez le coût de l'appel amorti sur X années versus l'ouvrier, versus les coûts en sous-traitance, ben je pense qu'on est le gagnant. Puis il y a pas juste ça, c'est la disponibilité aussi des gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que puis c'est la même chose aussi l'hiver avec le déneigement, quand on a un problème, nos gens sont disponibles. Entre autres, je pense au mois d'août dernier, lorsqu'on a eu une fissure d'aqueduc, vous avez vu les cols bleus arriver, puis il y a des gens qui sont en sous-traitance. On fait appel aussi à des sous-traitants. Mais on a une équipe de première ligne pour dans le fond, répondre aux besoins. Parce qu'à exemple, on avait un embarque sur une rivière quelque part du côté de Bridgeville. On commence à prendre le téléphone, puis « peux-tu venir? Ah, tu peux-tu venir? Tu peux pas? » On réagit tout de suite. Oui, mais il y a des contrats qui se donnent. Regardez, j'étais à l'Assomption l'autre jour, puis il y a un bris à l'Arcaduc à 1h du matin. Puis le sous-traitant est arrivé une heure après. La quantité de sous-traitants, nous autres, dans notre secteur, on a... Il y en a quand même ici. Juste que je me dis, c'est peut-être une option, on va peut-être l'envisager, parce que ça coûte cher, l'équipement. Là. On est conscient que ça coûte très cher, l'équipement. Ça coûte cher, mais quand vous... Quand tu n'as pas besoin, Ouais, je comprends ça. Fait que je vous remercie, puis M. Coderre, j'espère avoir une lettre de référence de Mme Poirier, une super belle lettre, puis j'espère beaucoup, parce que ça va être très important pour Mme Poirier qui nous écoute présentement, que M. Coderre a une excellente lettre, ça vient écrit, monsieur a été transparent, honnête, de tous les sens. Vous avez juste à dire dans la lettre que c'est tout au contraire de vous. Merci, bonne soirée. Bonsoir, Linton Couture, citoyen de Percé. Tout d'abord, pour répondre à monsieur, 140 $ pour une pelle, là. Non, c'est impossible. Pas avec le fuel à 2 $ du litre. L'opérateur à 40 $, t'es rendu à 60 $ à part les bénéfices marginaux. C'est plus dans le 200, 250. Puis même 300, dépendamment de la grosseur de la pelle. Donc, je pense pas que c'est une si mauvaise idée que ça d'avoir des équipements. Là. Quand on en a besoin, on les a, puis c'est ça. Puis, d'abord, moi, je suis pas ici pour dire redevance ou pas redevance, ça, mais il y a une chose que je dois reconnaître, que depuis un certain temps, on s'aperçoit qu'il y a de la démocratie qui se fait. La démocratie, on vote pour nous, tu sais, on vote selon nos convictions, puis c'est correct. Peu importe le vote, que ce soit oui ou que ce soit non, c'est que c'est vous-même qui votez, c'est ça qui est plaisant. C'est dommage que Mme la mairesse n'est pas là, elle n'est pas là pour défendre ses idées, ça, je trouve ça un peu plate même. Elle est sûrement présente à la télé, elle écoute sûrement la télévision. C'est très décevant de voir qu'elle n'est pas ici pour démontrer, aller jusqu'au bout de ses idées. Ça, c'est très dommage. Dans le fond, c'est ça que je voulais dire, puis je vous souhaite une bonne continuité. Puis vous, monsieur, ben vous n'avez eu, pas que vous avez eu votre part pour asseoir de louange. Merci, bonne soirée. Merci. Bonjour, Jonathan Massé. Je vais faire ça bref pour pas étirer la soirée plus qu'il ne faut. Bravo pour l'arrêt des procédures, c'est apprécié. Je pense que c'est un premier pas pour la réconciliation avec les commerçants de Percé. Je voulais vous assurer que s'il y a un comité où on peut essayer de trouver des solutions pour remplacement, et ça va me faire plaisir d'en faire partie. Ça m'aurait fait plaisir aussi de faire partie au moment où il y avait un comité qui se formait pour au niveau de l'information touristique pour trouver des solutions au bureau.
Par contre, il y a quelqu'un qui n'est pas présent ce soir qui ne désirait pas avoir les comités, les représentants du comité citoyen commerçant. Donc, on n'est pas là pour amener du trouble, on est là pour amener des solutions aussi. Encore faut-il avoir le droit de s'asseoir à la table. Donc, j'ai entendu qu'on avait l'intention de peut-être réouvrir le discours. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous et d'apporter des solutions si possible. À ce niveau-là aussi, je voulais savoir, Madame Roussy a parlé des frais qui avaient été encourus puis tout ça. Il y a un certain montant présentement qui est gelé, qui a été amassé avec la redevance touristique. Juste depuis l'appel, le comité citoyen commerçant a reçu des frais de près de 35 000 d'avocats pour finalement une procédure qui n'aboutira à rien, là, qu'on demandait, qui n'est pas lieu au départ. Je me demandais si... puis ça s'ajoute à une facture beaucoup plus élevée encore pour le premier procès qui nous avait donné raison. Je me demandais si le conseil municipal pourrait envisager, avec l'argent qui a été recueilli par la redevance qui est gelée présentement, un certain dédommagement ou aide financière pour les dommages. Parce que faut comprendre que toute cette procédure-là, au début, était aussi payée en partie avec les taxes des citoyens et des commerçants. Fait que le commerçant payait la partie qui l'attaquait et la partie qui le défendait à plein prix pour, au final, avoir dépensé beaucoup d'argent des deux côtés et finir avec une hausse plus substantielle des taxes du côté commerçant due au déficit créé. Donc, je vous demanderais d'analyser, si possible, une certaine façon avec le montant qui était amassé, voir si ça peut être une façon... D'aider aussi. Je pense que pour un certain temps, on ne peut pas toucher à ce montant-là encore. Je suis conscient que ça ne se fera pas la semaine prochaine, puis tout ça. Je vous dis juste, si ça peut être analysé par le conseil, puis qu'il y a un vote là-dessus, éventuellement, ça serait apprécié. Donc, c'est tout. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, Jean-François Gagné. D'abord, des félicitations aux membres du conseil pour la décision qui a été prise dans le dossier de la redevance. Je pense que tout le monde était conscient que la redevance telle que décrite dans la loi des cités et villes n'était pas le bon outil pour l'objectif recherché par la ville. Une redevance telle que décrite dans la loi, c'est pratique pour les bouteilles, pour des pneus, pour des tasses en styromousse, mais quand on veut utiliser le même outil pour quelque chose d'aussi large que l'ensemble des activités touristiques d'une ville, c'est vraiment pas l'outil qu'il faut. En plus que la façon dont la redevance est décrite dans la loi, on pouvait pas l'appliquer aux billets de spectacle, on pouvait pas l'appliquer aux revenus des bars, donc ça en faisait encore moins un outil qui pouvait amener l'ensemble des commerçants qui font affaire en tourisme à participer au financement des coûts, parce qu'on ne renie pas qu'il y a des coûts reliés à l'activité touristique. Donc, je voudrais répéter que la décision est importante parce qu'elle permet enfin de pouvoir commencer à travailler sur la solution de rechange, parce que tant que la redevance était dans l'air, et puis je suis convaincu que l'appel aurait été quand même perdu par la ville, puis que là, ils étaient déjà annoncés qu'on allait en Cour suprême, on n'aurait pas travaillé sur une solution de rechange intéressante avant peut-être 3, 4 ou 5 ans. Donc, je pense que tous les commerçants sont prêts à participer à trouver la solution de rechange, mais dans un environnement de transparence, non biaisé, puis aussi fait de façon inclusive, où tout le monde va pouvoir participer à la solution. Maintenant, ma question, étant donné que la nullité du règlement touchait à la fois le règlement 575-2021 et 600-2022, est-ce qu'il n'aurait pas été plus approprié de mentionner les deux règlements dans votre résolution? Madame Hubert? C'est le même règlement, sauf que c'est un amendement. Le règlement de base, c'est le règlement 575-2021. Parce que dans tous les c'est un amendement.
dans tous les papiers de cour, les deux sont tout le temps mentionnés. Ça ne change rien, là. Le jugement a été fait. On parle du jugement rendu dans le dossier numéro un tel. Okay. Ça n'a aucun impact. Donc, il n'y a pas d'enjeu que... Il n'y a pas d'enjeu. On se retrouve avec d'enjeu. Une résolution qui ne soit pas applicable. J'ai pas compris. Deuxième question. J'ai pas compris la résolution pour la rue du Mont-Joli. Est-ce que c'est l'ouverture d'un dossier, des études, ou parce qu'on a mentionné qu'on allait utiliser l'argent qui était disponible, mais la participation de la ville là-dedans, le projet global, est-ce que c'est à l'étude ou? Ben, ça a déjà été, comme je disais, au niveau de la programmation originale de la TEC, c'est déjà un dossier qui a été périodisé. Donc, il y a eu une analyse. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'avec les travaux sur Mont-Joli et Billard, il y a aussi des études qui sont réalisées, parce qu'on a passé d'ailleurs des caméras à certains endroits pour regarder au niveau des conduites. Fait que ça s'inscrit là-dedans, là, disons, dans tout ça. C'est pas un dossier qui part de zéro, puis il était déjà en priorité depuis... il était déjà priorisé depuis plusieurs années. OK. Mais est-ce qu'on connaît actuellement le coût global? On utilise seulement la TEC. Oui, c'est ça. On est à la hauteur de la TEC. C'est pour ça qu'on va le phaser, si jamais ça dépasse 152 000. OK. Donc, là, on rentre dans l'étape, finalement, des mises à jour, des coûts, puis tout ça, puis... C'est ça. Pour aller, évidemment, suivant les règles, mais suite à ça, on appelle d'offres, puis voir qu'est-ce qu'on fait avec ce montant-là. Dans le fond, le plus qu'on peut faire avec ce montant-là, bien, allons-y pour qu'on puisse l'utiliser, là, mais il n'est pas question, à ce stade-ci, de règlement d'emprunt ou quoi que ce soit. Là, c'est l'utilisation de la TEC. OK. Puis avec la réfection du bâtiment... il n'y avait pas d'entente qui était prise avec les promoteurs pour compenser pour l'usure de la route pendant les... parce qu'ils ont quand même brisé beaucoup la route, utilisé beaucoup la route pendant qu'ils refaisaient la Villa James. Hein? Oui. Est-ce qu'il y avait eu des négociations pour un dédommagement pour ça? Oui, c'est pour ça que ces dossiers-là sont liés avec le filet, ce qui devait être l'espace bleu. Là. Il y a eu des négociations, oui, avec le gouvernement. Ça va devenir diminuer les frais pour refaire la rue? Bien, c'est qu'on va aussi sur le Billard également. On ne fait pas juste Mont-Joli, on va aussi sur le Billard. Mais il y a des éléments de la rue qui étaient admissibles au programme de Primo. Au niveau de Billard, mais si ma mémoire est bonne, avec Mont-Joli, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas non plus. Il circulait par Billard aussi, des camions. Ça vient suppléer. Okay. Pour la subvention de la SIC, pour le dédommagement pour la rue du Mont-Joli et la rue Billard, ça passait au conseil. Le conseil a autorisé la signature d'une entente. C'est un montant qui restait confidentiel, mais ça passait au conseil municipal. Je ne me souviens pas à quelle séance, mais au début d'année, peut-être, c'est passé. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Michel Fréchette, Cap d'Espoir. Bonsoir à tout le monde. Je pense qu'on est dans une situation où on vient de lever un stress immense sur l'ensemble de la population et sur l'ensemble des commerçants. Donc, en ouverture, un grand merci pour avoir conduit cette opération-là. Mais je m'excuse au départ d'avoir tenté d'intervenir durant la rencontre. Je trouvais possiblement intéressant de rappeler, Mme la greffière en a parlé, mais je ne suis pas convaincu, qu'il faille installer aussi dans la résolution les deux résolutions qui ont été déclarées ultra vires par le tribunal. Peu importe s'il y en a une qui est... Mais le jugement porte factuellement sur les deux et tout document qui devra faire référence à ce jugement-là devrait porter les conclusions de la juge. Donc, le 600-2022 est aussi important pour moi. L'autre élément... Le numéro de cours est inscrit. Le jugement porte sur les deux, le numéro de cours est inscrit. Soyez précis parce qu'il va y avoir des conséquences pour des désistements. Et à partir du moment où il y a des désistements, on ne veut pas avoir de frais pour discussion sur des virgules. Donc, clos le dossier, verrouillez-le, mettez ça dans un bon sarcophage, 6000 pieds dans le fond. Okay? On ne veut plus en entendre parler. L'autre élément, ce serait de transmettre à toutes les parties prenantes, donc l'UMQ,
l'ensemble des décisions qui ont été prises ce soir, parce qu'on sait très bien que l'UMQ était derrière à pousser ce dossier-là. Donc, il faut qu'il soit, il y a même le gouvernement du Québec, parce que la loi de la LCV est impliquée, l'article 500-6. Donc, il va falloir que toutes ces parties prenantes-là soient informées de la décision du Conseil ce soir. Je vais aussi aller remercier le directeur général pour avoir réglé le cas de la halte routière à Cap-d'Espoir. J'ai vu qu'on avait étendu la roche pour soulager nos visiteurs de se mouiller les pieds à chaque fois qu'il y avait un petit orage. Donc, la Ville a bien fait son travail et j'en remercie. Le crédit revient aux gens aux travaux publics, ça je vous le dis. Transmettez mes remerciements au nom de tous les visiteurs qu'on aura durant cette saison. Je voudrais aussi remercier le Conseil pour avoir délibéré et voté concernant de ramener le Conseil à 6 conseillers. Ça a été fait. J'attendais qu'on ait approuvé les PV concernant ça. Donc, c'était à l'ordre du jour des différentes réunions, ainsi que l'abandon de la rue commerciale. Donc, c'est déjà un beau bilan que vous avez fait. Je voudrais revenir sur l'ordre du jour, effectivement, sur quelques points. Je voudrais vous redemander la précision sur le nombre d'heures par mois que devrait travailler la fameuse pelle mécanique. 176. 176, si on va jusqu'à 176. Vous allez jusqu'à 176. Oui, c'est ça par mois, mais parce que ça me donnait 22 jours ouvrables à 8 heures. Puis, ben là, je dis, elle travaille à longueur de journée sur toutes les... Mais c'est un maximum. C'est variable. Ah, OK, on se comprend. Le troisième mois est gratuit, donc. On paye 2 mois, mais le troisième mois, ben, c'est vrai qu'on peut monter, mais seulement, il y a quand même un troisième mois qui est gratuit. Oui, ben, en attendant de la réparer, effectivement. Je me posais la question, effectivement, si l'entretien est compris dans le taux de location, parce que habituellement, dans une location, on entretient le matériel. Est-ce qu'il va être fait aux frais de la ville ou il va être fait aux frais du locataire? Bon, l'entretien, sur le nombre d'heures qu'on va avoir, il faut regarder si ça va dans les changements d'huile. Là, mais on ne sait pas que ça existe. Vous verrez, c'est une question technique. Oui, c'est ça. Essayons de soulager le compte de taxes. Oui, non, bien évidemment, il n'y a pas personne qui va s'amuser avec ça. Là. Je voudrais revenir sur le point 7.4, qui est celui de, des carnets de santé. Vous connaissez ma sensibilité pour le CCU, et on sait que M. Mathieu Fleury fait partie du CCU et qu'il est abonné au carnet de santé. J'en ai demandé quelques-uns, j'en ai un ici, celui sur le plateau. Est-ce qu'il serait possible à la Ville de faire une invitation à soumettre plutôt que d'accepter les propositions? Je ne dis pas que ça n'a pas été fait, mais je voudrais avoir la confirmation qu'effectivement, la Ville procède par des invitations, pas des appels d'offres formels compte tenu des montants, mais de diversifier un peu les fournisseurs pour éviter que certaines personnes se trouvent en apparence de conflit d'intérêts ou en cas de filière prescrite. Est-ce que c'est possible de travailler avec un bassin d'architectes ou un bassin d'ingénieurs? Et voilà. Sur celui du carnet de santé, c'était intéressant d'entendre qu'il fallait avoir des ingénieurs. Il est à plusieurs fois mentionné qu'un ingénieur devra travailler sur sur les structures, en fait, les systèmes qui sont présents au niveau du plateau. Je n'ai pas vu de facture, je n'ai pas vu d'intervention. Par contre, je sais que sur l'église, il va y avoir Mathieu Fleury et une autre firme d'ingénieurs. Donc, est-ce que le plateau était desservi par rapport à l'église? J'ai aucune idée. C'est parce que ce carnet de santé-là est déplorable au niveau de la santé du bâtiment. On a pourtant mis 588 000 $ dessus sur un toit. Alors, est-ce qu'on suit ces directives-là? Est-ce que le ministère de la Culture et Communication est interpellé sur la qualité du bâtiment avant d'y investir 360 000 $? C'est ce que je me pose comme question sur ce dossier-là. 361 ou 360 000? 60 000. La Ville a une participation à 40 % sur 600 000, ce qui donne à peu près 240 000, et l'autre 360 000, en accord avec le MCC. C'est un petit peu embêtant de voir ce type d'argent-là qui est dépensé
avant même qu'on puisse établir que le bâtiment est viable pour recevoir cet argent-là. Le carnet de santé ici date du 12 août 2020. Donc, on avait le temps de revoir les choses et de s'assurer qu'effectivement, on pouvait mettre cet argent-là de la bonne façon et en ayant une bonne solution durable. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on procède de la bonne façon en ayant des carnets de santé qui ne sont pas relus et relus et relus par les personnes qui vont décider sur l'engagement des fonds publics? Voilà. Merci. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. Et encore une fois, merci pour votre travail. Oui, bonsoir. Moi, c'est Camille Chouinet. Je voudrais dénoncer l'injustice des employeurs de la ville de Percé. Parce que j'ai travaillé à la ville de Percé pendant 24 ans. J'ai été ouvrier opérateur. Mais comme Mme Bélassin. Là, cet automne, ce printemps, ils ont dit que peut-être qu'il y aurait pas eu de brevet pour la rivière des Émeraudes. Puis j'ai travaillé 4 ans. Les 4 dernières années, j'ai travaillé à la rivière des Émeraudes, les infrastructures, tu sais, les sentiers partout. Là, ils ont sorti 2 poches. Mais moi, normalement, vu qu'après ça, ils ont su, ils n'avaient pas eu d'argent pour les brevets. Fait que finalement, normalement, ils ont dit, oui, prendre, tu sais, pour rentrer pour travailler à la ville. Michel Dulin m'avait demandé de travailler à la construction avec lui, parce que moi, je suis menuisier aussi. Mais là, Réjeune, il a décidé qu'il prenait le père du chum de sa fille, quand il vient. J'ai rien contre ça, contre lui, ben là, je le connais pas. Mais moi, je suis d'apercé, je paye des taxes. Il dit à moi, il dit, on t'a pas pris parce que t'as pas mis ton CV. Ton CV. Ça fait 24 ans que je suis avec vous autres, moi, qui sait le CV tu vas avoir là? Ça fait que là, ça vient en marche, mais M. Codin m'avait dit pareil, tu sais. Quand ils ont essayé de trouver un poste, ben, tu peux commencer la 2e semaine demain. J'ai rien dit, demain la 3e semaine. Ben, là, ça va aller à la 4e, ils ont dit au mois de juin, on peut commencer encore. Tu sais, il y avait du monde, j'ai rien dit. M. Codin, c'est... Oui, je vais répondre, puis il n'y a pas... premièrement, au niveau du processus d'embauche, on s'était parlé, ça, je ne nie pas, on s'était parlé, puis vous pouvez être vos collègues, on parlait de projet. Le poste, les 2 postes ont été ouverts. Il y a eu des entrevues qui étaient faites. Quand on parle de déposer un CV, moi, ce que vous avez dit à Michel Tenel, je suis pas courant de ça. Et on peut pas non plus, quand il n'y a pas de lien, vous étiez, le type d'emploi que vous aviez, c'était des employés à projet, donc vous étiez avec des subventions, donc c'est un corps d'emploi différent, mais vous étiez pas syndiqué. Hein? Donc c'était pas automatique. Là où ce qu'il fallait faire, puis on se l'est expliqué, il aurait fallu que vous déposiez votre candidature, que ce soit un CV ou de dire je veux travailler à ce poste-là. Il y a une entrevue qui a été faite parce que il y a un processus d'entrevue qui a été fait. Et c'est pas une question de favoriser la famille, comme vous dites, vous avez rien contre la personne qui est engagée. C'est une personne qui a toutes les cartes de compétences pour travailler, puis qui était à sa place. On a fait des entrevues qui ont été conduites, j'ai conduit moi-même des entrevues. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était un excellent candidat en entrevue, ce qui vous enlève rien à vous, M. Sweeney, loin de là. Mais normalement, quand il avait été, si je ne prenais pas cette personne-là, sous prétexte qu'il y avait un lien... Mais même pas de parenté directe avec le coordonnateur de travaux publics, j'en étais discriminatoire. Puis jamais j'ai fait de la discrimination en emploi. Au contraire, je me battais contre ça avant, parce qu'il y avait d'autres, j'ai déjà vu d'autres situations. Fait qu'au contraire, jamais j'ai fait de discrimination. Mais je peux pas non plus, quand j'ai pas une candidature officielle sur mon bureau, de dire, ben, je vais donner un job à telle personne. Je pense que là, j'aurais causé un préjudice. Mais ce qu'on a fait, puis ce qui vous a été dit encore une fois par M. Quirion, c'est que nous, on attend un protocole qui va signer bientôt, puis même on veut commencer d'autres choses avec vous sur d'autres projets rapidement, donc on vous a pas mis de côté. Alors si vous dénoncez l'injustice, là, les propos...
Bien, M. Sweeney, je vous avais dit que c'était, suite à notre dernière conversation, que c'était une question de jour. Vous me disiez que vous vouliez venir en parler à l'Assemblée, que je n'ai pas de problème parce que moi, je suis transparent. Je suis mes règles du mieux que je peux, puis surtout, je fais attention à mon bon. Je ne vous ai pas menti. Loin de là. Comment j'ai la fait? Personne ne vous a menti en interne. Moi, je suis d'accord, c'est un projet déplorable. Oui. Parce que moi, M. Blassi, j'étais 2 heures arrêté. Quand j'ai commencé, il y a eu un problème à minuit, la cour était. Mais moi, c'est pas la peine de pleurer, c'est la ville qui payait pareil. Pour moi, je travaillais pour la ville pareil. Ça n'enlève pas. Normalement, c'est à vous autres de dire, bon, ma Camille, il donne du bon service, fait 24 heures qu'il y a nous autres, ben, on va y offrir un poste avant de sortir les postes à l'externe. Comprends-tu, je veux dire? Mais moi, il m'aurait appris, je lui ai dit, Camille, elle a reçu un travail avec Michel Trudel. Michel m'a demandé de travailler avec. Je lui ai dit, Michel, s'il n'y a pas de pleurant, mais travaille-toi. Mais là, ça a tout tiré à l'envers. Finalement, là, entre nous autres, là, 24 ans de service, ça, comme ça compte pas en tout. C'est loin de là. Au contraire, vos capacités sont reconnues, puis les accomplissements que vous avez faits sont reconnus. Arrivé, On travaillait, nous autres, dans la base, dans le mois de juillet, dans l'eau, dans les montagnes, du 2 par 6 sur le dos, puis sur mécanique, puis là, puis la semaine. On n'a jamais dit rien. Là, on avait une chance de rentrer, normalement, pour la ville, comme j'étais avant. Vous m'avez jeté de côté. On vous a pas jeté de côté. Oui, il y a quelqu'un aussi qui était dans votre équipe qui a déposé son curriculum vitae, qui est Sylvio Gagné, qui est engagé. Mon curriculum vitae, ça fait 24 ans, je suis type. 24 ans, c'est pas. Que je te donne un. C'est pas automatique. C'est pas automatique, c'est pas comme un poste. Vous n'étiez pas sur un poste syndiqué, c'est pas automatique. Puis moi, je ne pouvais pas y aller avec les suppositions. Je ne savais même pas que vous aviez parlé avec M. Trudel. Alors, d'accord, comment... Normalement, entre nous autres, vu que j'avais travaillé pendant longtemps pour la ville, j'avais donné du bon service, le déneigement, les machineries, n'importe quoi, tout à fait. J'ai travaillé toutes les machines qu'il y a là. C'est à vous autres à dire, bon, on va donner un poste à Camille, vu qu'il était longtemps pour nous autres. Là, il est là, on va l'envoyer, on va prendre un grec en rivière. On fait 2000 pièces de tâches par année, quand on va au deuxième, le bon arrière. Bien, à l'inverse, puis je pense que si vous voulez qu'on en parle, on va te parler au bureau, mais je vais dire à l'inverse, si on avait juste fait ça entre nous autres, sans respecter les règles, il y avait des gens qui allaient dire, bon, ben là, ils ne suivent pas les processus comme il faut. C'est pas l'affaire de ça, non, ça allait passer, parce que je travaillais déjà pour la ville. Oui, mais vous n'étiez pas syndiqué, c'était pas automatique, il fallait déposer une candidature. C'est pas le manque de respect pour ce que vous avez fait, au contraire, vous avez fait un travail qui est remarquable, je n'ai pas peur de le dire. Puis je le dis devant tout le monde, puis je le dis devant la caméra. Votre travail est remarquable. Vous avez dit, vous êtes trop vieux pour travailler. Moi, j'ai dit, bon, Parce qu'on va arrêter là. Non, mais c'est vrai. Il dit ça à tout le monde, que je suis trop vieux pour travailler. Je suis trop vieux pour travailler. Je suis en pleine forme. Mais laissez-y à quelqu'un de travailler. Mais moi, tout ce que j'ai à dire, vous, je connais rien à dire. Il n'y a pas d'enjeu avec moi. M. Puis je vous ai rencontré souvent, vous avez dépogné avec moi, puis tout. Mais là, je suis supposé qu'on va travailler la deuxième semaine demain. La troisième semaine demain. La quatrième semaine demain. Puis là, on a dit au mois de juin, il faut qu'on s'en va. Mais tu dis, vous m'avez dit, quand vous lui demandez, il faut que je demande à Gézen. C'est lui qui décide tout, Gézen, ce qu'elle a. C'est pas question. Il est en train de puis il mène la vie. Ben là, je pense que vous allez un peu là. Puis la façon de faire, c'est que je travaille en fonction de. Je travaille avec mes responsables de service, ce qui est tout à fait normal. Mais là, je pense qu'on va arrêter les attaques personnelles contre les gens. C'est pas des attaques personnelles, c'est la vérité, monsieur Godin. Non, mais vous venez de l'attaquer personnellement. Là. Ben c'est ça. Lui, ce qu'il a fait, il m'a bouclé. Il aurait pu vous dire, il me connaissait, Gézen. Il aurait pu vous dire, ben, on prend Camille, parce qu'il est là depuis longtemps. Là, vous êtes tout au conditionnel, là, dans le fond, là, je ne sais pas. En tout cas, c'est oui, bon? Non, mais vous avez passé votre mot, puis regardez, je respecte ce que vous dites. Moi, je sais, mais là, ça va aller quand, là, ça va être quand, le programme, vous avez dit, vous voir, ouais, vous allez au mois de juillet. Combien c'est parti là? Je ne peux pas vous répondre tout de suite, là, je veux dire. Au mois de mai, on m'a dit deuxième semaine de mai, troisième, puis on a dit au mois de juin. Ça dépend comme je vous dis, ça dépendait des sommes disponibles. Quand vous pouvez le faire, c'est pas. Mais là. Moi, tu crois, moi, je sais pas. Je n'ai pas de relation, de travail non plus ouverte, là, comme ça. Là. En tout cas, vous merci d'avoir écouté, mais moi, mon point de vue, c'était ça. Ben, vu qu'il y avait été longtemps pour la ville, je pensais que je n'ai pas. Merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à la période des questions? Juste en termes, j'avais une question.
monsieur. C'est concernant l'engagement du futur directeur. Pardon, je m'excuse. Pour l'engagement du futur directeur qu'on va avoir, le directeur de la ville, dans le fond, celui qui va remplacer M. Coderre. Je sais qu'actuellement, c'est Mme Desgarry qui le fait en intérim. Non, il n'y a personne. OK, il n'y a personne. Il est encore présent. Non, mais c'est parce que j'ai entendu ça tout à l'heure. Vous avez parlé du directeur général. Oh non, c'est parce qu'il va y avoir... comité de sélection. C'est le comité de sélection. Pour engager le futur directeur général. Exact. Non, tu te trompes. C'est M. Reyes. Avec Alicelle. OK. Puis dans le fond, avant, ça se faisait comment, ça? C'est avant, autrefois, le processus, c'était quoi? Il y a toujours eu un comité que Daniel Daniel Abassi. Daniel était là. C'est toujours la mairesse. À l'époque de la mairesse, ça fonctionnait comment? Si je ne me trompe pas, il y avait la mairesse, il y avait M. Pitt qui avait parlé. Est-ce que vous avez déjà été? Oui. Madame Gémard? Oui, j'ai déjà été sur des comités. Oui. OK, il y avait votre conseiller qui était sur le... On a déjà eu Robert Daniel, dans le temps Robert Daniel. Mais ça date à peu près, que je te dirais, de 5-6 ans de ça. Ben, mais c'est bon. C'est juste pour mettre ça au clair, pour que le commun des mortels comprenne. Merci beaucoup. Est-ce que c'est tout pour la période des questions? Qui propose la levée de l'Assemblée? La fermeture de l'Assemblée. Monsieur Madame Montal, bonne soirée à tous. Merci.